Qu'est-ce que t'as? Ta maman t'a jamais aimé? Ça doit rapporter d'être un spécialiste. Vous savez, ça n'a aucune importance si vous me tuez, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se trame dans ce monde que vous et moi. Beaucoup plus grand. Et c'est beaucoup, beaucoup plus grand que toi. Le karma, c'est une vraie... Je crois pas au karma. Salut, Eddie. Wow. Je sais, je suis passé par là, et c'est pas amusant. Celui qui est avec Drake s'appelle Riot. C'est qui, Riot? Riot est ce que tu appellerais un capitaine. Il a une panoplie d'armes. Drake a son propre symbiote. Il est invincible. Ah, génial. On doit partir. Où est-ce qu'on doit aller? Où on va? En tout cas, je viens avec vous. Non, Riot est sans pitié. Elle aussi, elle peut être sans pitié, crois-moi. Ouais, je peux être sans pitié. Pas aujourd'hui. Ah, ça, c'est vraiment n'importe quoi! Ce n'est pas une simulation. L'équipage ne s'est pas préparé. C'est moi qui vais piloter le vaisseau. Vous? Oui, moi. Dans combien de temps? On embarque les sondes et on fait les diagnostics. Mais même avec les systèmes automatiques, vous ne pouvez pas la piloter seul. Je ne suis pas seul. Ah, merde! Qu'est-ce qui s'est passé? On a abandonné Annie! C'est trop dangereux! Si on n'arrête pas Riot, il va revenir avec des millions de membres de mon espèce. Des millions? Quoi, vous alliez voler la fusée? Et vous alliez revenir avec une armée d'invasion? Et ensuite quoi, vous alliez vous nourrir de toute la planète? Oui, mais maintenant c'est différent, Eddie. J'ai décidé de rester. Waouh! Sur ma planète, je suis un peu un loser comme toi. Mais ici, nous pouvons être plus. Qu'est-ce que t'as dit? Et je commence à me plaire ici. Oh, tu nous aimes maintenant, hein? De toute façon, il ne restera rien à aimer si nous n'arrêtons pas cette fusée. Oh, je vois, c'est ça. Maintenant qu'on est menacé de se faire anéantir, on est de retour, nous. Oui, nous. Tu le veux ou non, on doit y aller tous les deux. Allez, mon gars, arrête tes c***. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait changer d'avis? Toi, c'est toi qui me donnes la foi, Eddie.